salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode... L'épisode combien mon cher funéraire? L'épisode 20. Chiffre rond. Ça va très très vite et on va terminer ce campement. Fufu, tu vas bien depuis 2 minutes? Ça va bien. Vous voulez voir un truc de ouf? Vas-y. Non, il a disparu. Comment ça a été dit? Je rappelle que c'est un jeu des conseils au moins de 18 ans. Bien entendu, donc on peut parler de bit. Et puis même bit, c'est pas un mot vulgaire, monsieur. Bien sûr, ça fait partie du dictionnaire. Mais bon, qu'est-ce qui est vulgaire, qu'est-ce qui ne l'est pas finalement? Entrée de la zone sur la gauche, il nous reste un lieutenant à tuer, n'est-ce pas? Oui. Donc on va s'en occuper maintenant. Hop, et j'ai tué le donneur d'alarme. Nice. Je viens de le tuer, enfin je l'ai étouffé de manière discrète mais sans être discrète pour autant. Starshoot. Mort. Donne-moi ton arc. T'inquiète ton tour, voilà. C'est vous protéger. Devant, derrière. En vrai, ça doit être un bordel ça. Ouais, ça doit être terrible. Lieutenant derrière, il est là. Oh, je vais te montrer, il faut que je fasse le truc. Je te tiens. Vous me voyez là? Vous me voyez? Oui, mais fais vite. Recule, recule, recule. Oh non, Fufu, t'as pris le générateur électrique en dessous de toi. Vous avez fait péter un truc. Bah. Qu'est-ce que t'es. Allez, fais vite. Il est où? Bah, il est mort. Bah, je l'ai tué. Je l'ai tué. Oui, c'est moi qui Thérèse. Je l'ai tué. C'est pour moi. Non, je t'ai pas raise à travers le mur, ça c'est dans ta tête, Fufu. C'est parce que t'étais assommé, tu te rends plus compte. Oui, ça doit être les effets de la morphine, endorphine intérieure de ma tête. Viens, il y a une cache qui vient de tomber. Nicolas? Nicolas Cage? Non, Nicolas Cage. Parce que t'as dit se cache. Il est où, Nicolas? Bah, il se cache, Nicolas Cage. Ah, ok. Allez, go. Attends, il y a un méchant, là. Oh, regarde! Tout le butin disparaîtra, rien à péter, allez, go. Fufu, il faut venir! Regarde! Fufu, trop tard. T'as pas vu? Non, ça m'intéressait pas. Oh dommage, c'était si drôle! Je la ferai mon intro, je la ferai! Voilà, c'est à nous ça, monsieur funéral, c'est à nous! Franchement, ce que j'ai fait, le fou Froda dans Skyrim, c'est du caca. Regarde, hop, eh, les tomates ça pousse vite, hein! Ouais, et on a le moulin, putain, mais pareil pour putain, les pumpkins. T'as vu l'arme qu'on a gagné? Regarde-moi ces potirons, putain! Regarde-moi la taille de ces potirons! Regarde ce qu'on a gagné, mec. Tu vas pas y croire tes yeux. Est-ce que tu as déjà vu des potirons si gros? Enclume, moulin, c'est quoi? Ah ouais, c'est ce que t'as. Coup de poignard. Je vais prendre un coup de poignard en vrai. Hein. Coup de poignard, c'est un couteau. Appuyez sur L2 en effectuant une élimination pour exécuter cette action. Et c'est quoi fracas? Ah, fracas, c'est ce que t'as fait. Je vais prendre coup de poignard. Fracas, tu parles du moulin avant? Ouais. Ouais, j'ai pris le moulin à Angvang. Oui, non, mais moi j'ai pris. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Bon, on est où? Elle est où cette quête? Parce que mine de rien, là, on a fait que du hors-piste hein, avec le dernier épisode et le début de celui-ci. Donc là, on est bon. Fufu, t'as fait tout ce que t'avais à faire? On a gagné de belles armes là. Hein. Pas on a gagné de belles armes. Je vais faire un molotov, on en a jamais trop. Et je vais refaire un peu de surin. Molotov, j'en ai 5 et ça, c'est cool. Mec, c'est mérité amplement. On n'a pas autant de stuff que ça. On croit ramasser v'là les dingueries, mais on mais en fait, pas on n'a pas, pas d'armes. Hein. Ah, toi aussi, t'es en panne d'armes là? Ah, en vrai, j'ai rien dit, j'en ai plein. Bah juste oui, que je les équipe pour. Bah voilà, pour les équiper, mais ça, je te l'avais dit tout à l'heure. Oh, ouais, putain. je suis un troll. Oh, je suis un troll, monsieur Bibouy. Oh, tu n'es pas un troll, t'es un copain. Alors, le mec le simplet. Vas-y, viens, j'ouvre un petit truc là. Des familles, on devrait se régaler. C'est vrai que les gars, on a commencé un peu sur le qui-vive. Comment ils vont là, un petit peu? Dites-nous en commentaire. Comment ça va? Êtes-vous toujours en forme? Est-ce que vous vous amusez toujours aussi bien? Est-ce que vous êtes toujours aussi beau? Je pense. Après 20 épisodes de Walking Dead. Il commence à y avoir beaucoup d'épisodes. Par contre, je commence à gagner des trucs vraiment sympas, mon pote. T'as été checker un peu ton inventaire? Yes. Eh ben, retourne-y. Tu n'as pas assez checké. Je n'ai pas assez checké mon inventaire. Ah, ça, c'est pas mal, mais j'ai mieux. Ça, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? C'est les mêmes, on s'en fout. Ah, des chaussures, j'ai pas de chaussures qui valent le coup. Ah, bah voilà! Ça, c'est mieux. Oh non, moi, c'est le retour des lunettes. T'aimes pas les lunettes?
Non, oh, j'ai pas une super tête. Bon, allez, on est pas mal. Oui, c'est le retour aussi des lunettes, mais j'ai pas que ça. J'ai plus d'une lunette dans mon sac. Tiens, on va prendre des petits soins et... Soucis. Par contre, dans le truc là qu'on a fait, j'ai gagné 30 000 paires de chaussures. Hop. Et ça vaut le coup ? Bah, y'en a pas. Ah, Fufu ! Mais quel jeu ? Je vais rien dire. Where are you ? Je suis passé par la fenêtre, ça m'a fait tomber de 30 étages. C'est ribage. Toujours le même problème, monsieur Funeral. Non, regardez si on ne pas derrière vous. Oui, j'ai vu. Ils sont nombreux. Ah, y'en a un gros surtout avec une massue à la place de la main. Oh, si on vient d'ici de nuit, on se régale, mec. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, je me soigne. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un convoi militaire, 16 mètres. Ça ? Bah là, regarde. Là où c'est pour ça qu'il y a autant de monstres. Ah, tu veux qu'on le fasse ? Mais on est d'accord que t'as lâché au pire endroit du monde. C'est pour faire péter ça. Ouais, mytho. Non, c'est vrai. Hein. Le plus gros mytho de l'histoire. C'est vrai. Tu vois, quand on s'écrit convoi militaire, c'est... Ah putain, mais il y a des trucs à looter sur le... Dans le gros camion derrière. Ouais, Fufu. Oui. Et il est en forme, Biloot, là. Attends, il va nous aider. Oh la vache. Pas la chance, bordel. Attention. Quoi ? Mytho ! Oh putain, Fufu, c'est la merde. Il y a des zombies rapides en pleine journée, là. Fufu, casse-toi, mes frères. Il est bizarre, t'es le pote à qui, toi, encore? C'est forcément le pote d'un haters qui met un j'aime pas à chaque vidéo. Qu'on ne voit plus, oh, d'ailleurs. Oui, il est mort debout. Et tant mieux pour eux. Don't feed the haters, you know. I know. Fufu, je rejette une molotov, il me casse les couilles. Il est mid HP. Hein. Il est mid HP. Ouais. Où ta barre d'HP? Bah au-dessus de lui. Tu l'as pas? Non. Je crois que je suis en mode. En mode beau gosse. C'est un mode où. Wow, RPG. La vache! Ouais, j'avoue, il m'a mis un truc. Hein. J'arrive, une soigne, j'utilise un soin qui met 8 ans. Oh, ça va toucher, oh! Un mort. Hop, Fufu, il faut m'aider. Attends, faut que je me soigne. D'urgence. Prends un peu de hauteur. Vous me voyez, monsieur Bibaï, regardez. Non, il faut m'aider. Oh. Mais pas beaucoup, Fufu. Ah, je t'ai dit. Michael Jackson. C'est bon, je m'en occupe, bro. Je m'en occupe, t'as pas le level, Fufu. Juste regarde les professionnels, occupe-toi des petites merdes. C'est le seul truc que t'es capable de faire. Il faut focus les ZAD. Allez. Oh, y'en a un, il pue. Oui, c'est moi. Si ça pue, c'est mon cul. Quand c'est difficile. Attends, y'en a un, ils sont au sol. Fufu, tu veux pas finir les gens? Ah si, j'ai fini, là, il est par terre, regarde-le, ce connard. Quand je tâche difficile ici, c'est lui que tu parles? C'est non, lui aussi, lui. Attends, y'en a deux. Nice. Ok, t'en fais un, j'en fais un, le premier qui termine, c'est le plus beau. J'ai terminé, Fufu. J'ai terminé. Non. J'ai cassé. Ah, quel dommage. Non, mais c'est bon, j'ai déjà terminé, je suis déjà le plus beau. J'ai cassé. Oui. J'ai cassé, j'ai ouvert, pardon. Ration de combat. Un katana ? Où ça ? Ici, là, un katana ! Bah, j'ai un filtre anti-poussière, hein. Nickel ton katana. Il est où ton katana ? Bah, il était là-dedans. Bah, c'est on a... ça le convoi militaire flingué, là ! Waouh ! Remboursé ! Ah non, c'est bon, bien. Y'a un autre truc? Ouais. Bah, bichette, t'inquiète. Aïe, mais Fufu, aide-moi! Attends, je suis en train d'arriver vers toi. C'est pas vrai! On peut plus ouvrir une porte ici! Fais ton truc de garenne flingué là. C'est quoi ça? Oh, fermé. Regarde-moi ça. Hop là, j'ai fermé la porte. T'as un crochetage intermédiaire, c'est pas vrai, ça s'arrêtera donc jamais. Je vais fermer la porte à la gueule. Toi, t'es bon, toi. Moi, je suis très très bon, ça. Oh, putain, attends, dis-moi, non, y a pas d'inhibiteur là-dedans, fais chier. Ok, allez, viens dans la zone.
Par contre, toi, t'as eu un katana. Eh ben, écoute, je vais être très honnête avec toi, je suis totalement jaloux. Attends, je... Oh non, vas-y, crochette ça, parce que je vais vriller, j'en ai marre. Eh frère, attends, ça fait 8 épisodes que je crochette la terre entière. Mais regarde. Oh, katana. Mais tu l'as eu où? Bah, dans le truc militaire, mais on n'a pas t'as le même crochet loot, derrière, là, au lieu de raconter ta vie. C'est ça. J'en ai marre de toujours crocheter. Oh, t'inquiète pas, je m'en occupe. Ouais, régale-nous un peu, là. Moi, j'ai quoi en arme, là? Tiens. Ah, mais si, j'ai un katana. Elle s'appelle Sacré Nana. Ah bon? Ouais. Moi, ça s'appelle Katana Sale. What? J'ai gagné un truc qui fait 86 de dégâts, mec. Une grosse hache, le panneau? Ouais. Ouais, je l'ai aussi. Mais c'est abusé. Ouais, c'est violent, on peut le dire. Ah oui, j'ai eu Sacré Nana. Mais j'ai deux katanas, en fait. Oh, salope. T'es une belle petite chienne. Je vais utiliser d'abord mon katana bleu avant d'utiliser mon katana légendaire. Attends. C'est pas le meilleur truc que j'ai fait là, si. Hop. Au revoir. Attends. Ah, là, il y a un bam. Arme légendaire, marteau. Il y a un quoi? Là, j'ai un marteau légendaire ici, là. Mais toi, t'as tout, toi? T'es où, là? Là, devant. Mais je l'ai eu, c'est là où j'ai eu mon seul katana. Ah bah voilà, bah... Ça sert à quoi, là, les kits militaires? Ça casse les couilles, ça aussi. Attends. Bah c'est pas des soins incroyables, aussi, c'est des gros soins, ça. Eh ben, vas-y, hein. Soit utilise tes petits soins de merde, et mets-toi un truc à la place des soins incroyables. Comme ça, au moins. Voilà. Et à la place de ça, on va mettre des petites rations des familles. En vrai, on est méga bien, non? Ouais, il nous manquerait un petit inhibiteur, histoire de pouvoir upgrade encore le personnage. Bien sûr, et ben tu sais quoi, on va aller le chercher sur le passage aujourd'hui. Ben, c'est exactement ce que je voulais. Qui m'aime me suce? Ah, ben j'arrive. Mais... Je sais pas ce qu'il voulait, lui, frère. Donc là, il y a... le man, là, le gros balèze. Oui, j'ai récupéré le trophée. Et t'as fouillé ici, là? Là où j'ai ouvert? Oui. Bah, c'est là que j'ai une ration militaire. Attends. Bon. Voilà. Où allons-nous? On va tout fouiller déjà. Putain, ils ont que dalle. Quelle angoisse. Oh là! Y'a un caillou! Un caillou? Pour avoir un custom. Un nœud de cristal vert. Et tu l'as pas ouvert? Non, je viens de le prendre là. Ok. Et pourquoi moi je peux pas le prendre? Il est là. Tu le vois pas? Bah t'as peut-être déjà pris. Bah non. Oh mais quelle angoisse. Et le tank, y a rien dedans. Parce que de toute façon on peut pas fouiller un tank, y a pas de place. T'as déjà vu l'intérieur d'un tank? Non. C'est ridicule, ça pue sa mère. Y a de la place pour rien. Par contre je pense que t'es bien quand tu prends un missile. Oui et non. Oui et non. Tu sais qu'il vaut mieux avoir un accident dans une voiture que dans un tank, hein. Bon, y'a pas d'airbag dans le tank. Bah c'est pas ça, c'est qu'en fait la voiture, la carcasse va se plier, donc ça absorbe les chocs. Dans le tank, rien n'absorbe le choc, donc y'a de grandes chances que ton cerveau... fasse bing. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui eux? Attends, ouais, ils font une insecte? Bah ouais, mais autour d'une cage, Nicolas. Bah il prie Jésus. Oh regarde! Bye bye daddy. Oh mais non! Quelqu'un est mort! 2025. Il est mort, oh non miskin. Il n'y a pas un PNJ qui veut nous raconter un petit peu le background de ce... Non? Non, pas besoin, il est mort. Oh putain, viens. Oui, j'ai vu. Oh, ça vole. Putain, mes lunettes sont sales là, j'ai une tache noire là à cause de la boue. Attention monsieur, hein. Le fisheye. Moi aussi, j'avoue que j'ai des sacrées taches aussi. Ah ouais? Ouais. Quoi? Putain, mais c'est... il est con. Mais frère, ouais, je te jure. Tu sais, le mec, il s'est pas toussé, frère. Le plus discret du monde, quoi, genre. Bon, on est pas mal. On doit voir qui, en fait. Tu sais, dans le niveau d'histoire, je suis paumé. J'en ai plus aucune idée, gros. J'en ai plus aucune idée, personne qui veut rien nous vendre. Ok. Ah, ça équivaut... Ok. Ça équivaut, je pense, à une église. Tu sais. Oui. Un petit village, regarde. Ouais, je vois. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Sur les bouts. Dawan,
Lawan, t'es là? Lawan. Je vais y jeter un œil. Rejoignez Lawan. Waouh! Vas-y, viens. Viens vers moi, on va faire en ordre par la gauche. Excusez-moi, je cherche Daniel. Daniel Balawan. Vous avez vu Lawan? Ouais, je la vois tout le temps. Ah, attends, tu veux dire, genre, aujourd'hui? Désolé, j'ai tout mélangé dans l'excitation. On peut dire que si Daniel tape Lawan, c'est Daniel Balawan? Attends, on va se taper un écran fondu au noir à chaque cinématique, là? Oui, oui, monsieur. Allez, venez. Donc, si le courant devait rester... Excusez-moi, j'avais la tête dans le cou. Lawan est passé par là? Si quelqu'un sait quelque chose, c'est le barman. Bon, on va gagner du temps, monsieur Bimoy. Allons directement voir le barman. Excusez-moi, monsieur. Eh, je cherche Lawan. Vous savez où je peux la trouver? Elle était là. Si quelqu'un s'y connaît, c'est le mec derrière vous. Bouh. Tu t'es pas cassé le cou? Bip. C'est lui, le gars Joe dont tu parlais. Danior, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Le gars Joe? Vraiment, comme quoi? Ou j'ai jamais entendu parler de toi, on choisit quoi? Non, non, et ça fait vraiment gros connard et j'ai jamais entendu parler de toi. Ah ouais, des connards. Et en mal ou en bien? Des trucs trop bien, Gadjo. Je peux voir que Lawan t'aime vraiment beaucoup. Tu poses un doigt sur elle, tu lui fais du mal, petite merde, et je te retrouverai, je t'enfoncerai une pique dans le cul, et je donnerai ton cadavre à manger aux virulents. Danior, dégage, espèce de crétin. J'y fais pas confiance, c'est un inconnu. Rien d'autre que des problèmes. Sérieusement, t'es jaloux à ce point, Danior? On n'a jamais été ensemble. C'est compris? Elle est bizarre cette conversation, non? De quoi tu parles? Bon, prochain pic qu'on peut lui lancer, on lui lance. Que les amis de Lawan sont mes amis. Danior dit que pour faire circuler le courant, on va devoir réactiver les autres stations. On est d'accord qu'il nous menace et deux secondes après, il fait t'es mon pote? C'est pire que Booba dans Lunatic, quoi. Refuser d'un geste de quoi? On doit réactiver les autres sous-stations de service. Bon, let's go, hein, s'ils peuvent vous mettre des tourlines. Elle se pense qu'elle veut quand elle veut comme elle veut. C'est du potage, c'est de la purée, gros, qu'il nous a donné. De la purée de l'huile de bière. La centrale électrique est en marche, mais les câbles n'ont pas résisté. 15 ans, ça laisse des traces. Atrophie musculare nestruite. Les muscles non sollicités dépérissent. Allez, la chambre de Franck est là-bas. Essayons de comprendre pourquoi Waltz l'a allumé pour commencer. Viens parler, Gadjo. Tu feras bien de faire gaffe. Gadjo? Il est bizarre, il est gentil, mais il est con. C'est quoi ce délire? Oh, y a un mec, je me permets un petit toute recherche sur Google. De Gadjo, tu sais pas ce que c'est dire un Gadjo? Hey, Gadjo, c'est un gars en fait. C'est un mec, tu vois. Oh, le Gadjo là-bas, c'est le mec là-bas. Je crois. Alors. Alors, je regarde la définition, c'est. C'est pas les gens du voyage qui disent ça? Oui, alors c'est pour les gitans, un Gadjo voilà, est un homme qui n'appartient pas à leur communauté. Voilà, en gros, étranger, quoi. On est un étranger pour lui. C'est ça. Tu aurais pu me demander, je suis bien plus performant que lui. Ouais, un truc sur Franck. Juju. Tu vois tous ces gens? Oui. N'importe où ailleurs, ils seraient des sauvages. Ils se sauteraient à la gorge. Mais pas ici. Parce qu'ici, ils sont calmes, frais et dispo. Et c'est grâce à Franck. Ils le respectent parce qu'il était traceur nocturne. Tout le monde ici lui doit quelque chose. Y compris moi. Sans le soutien de Franck, je serais pas là. Et tu serais où? En zone sombre, un mordeur. Ou dans un repère complètement défoncé. Franck nous aidera. Tu peux compter sur lui aussi. Fais-moi confiance. Prêt? On y va. Ne fais pas marcher avec. Franck? Ils nous ont massacrés. Un par un. Oh. Comme des foutus lapins. Franck! Franck, c'est moi! Réveille-toi! Toi? De quoi? Qu'est-ce que tu fous ici? J'adore ce doubleur, mec. T'interromps ma conversation avec... Ravik est mort depuis des années. Ah oui, mais il en a fait beaucoup, lui, des voix. Bah, c'est Faucheur. Reprends-toi, Franck. C'est le Bénédicte comme Norbach, d'ailleurs, aussi. Qui c'est, ça? La putain de reine d'Angleterre? Docteur Strange. Faut que je fasse dans la délicatesse, maintenant. Voici Aiden. Il a la clé d'accès au GRE. L'acteur Bénédicte... Walt l'a utilisé pour établir l'électricité dans la ville. La clé GRE fonctionne. Faucheur aussi. Vous racontez n'importe quoi.
Et Tom Hardy. Mad Max, Venom. J'adore ce mec. Il a une voix de malade mental. T'as vu ça ? Sur un des hommes de Walt. Et d'ailleurs, le mec Benedict, l'acteur, a une voix aussi moyenne. Côté. Bah c'est pour ça qu'ils ont trop, je trouve qu'ils ont trop on bien choisi son doubleur. On pense que ça contient des données prouvant ce qu'ils nous ont fait à l'hôpital. Donc tu crois toujours que tu vas découvrir pourquoi Walt a bousillé ton enfance ? Ok. Je vais te dire, prêt ? Parce que c'est un putain de psychopathe. Il est complètement à la masse. C'est ton Saint Graal et ton Arche d'Alliance tout en un, la One. Heureuse ? Hayden, c'est ça ? La One et toi, vous pouvez vous tirer maintenant. J'ai des trucs plus importants en tête. Ça aurait marché si ce connard s'était montré à la télévision. T'avais raison, Ravik. Putain de traître. Sans lui, on était comme des gamins avec des lance-pierres face à des tanks. Assister ? Oui, vas-y. On n'a pas terminé, c'est pas jaune, donc Franck. C'est pas un choix. C'est ça. Elle contient des informations sur quelqu'un que je cherche aussi. J'ai besoin de savoir comment la lire. C'est une putain de clé, pas un journal intime. Tu peux l'utiliser pour ouvrir les portes, démarrer l'électricité. Mais elle est inutile toute seule. T'as besoin d'un endroit pour la mettre. Et avant que je te dise où tu peux la mettre, dégage. Tu me fous mal à la tête. Ravik. Putain d'enfoiré. Pourquoi t'es revenu pour cette mission ? Tout est parti en vrille. Tellement de gens. Tellement de gens merveilleux. La One dit que t'es le seul à pouvoir nous aider. La One a tendance à trop parler. Et tu sais quoi ? C'est surtout des conneries. C'est une junkie que j'ai ramassée dans la rue. Tu comprends ? Tu me crois pas ? Demande-lui. Elle te racontera tout elle-même. Alors qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit allé à ce niveau ? On était dans la merde de toute façon. Et jusqu'au cou ! Peut-être que cette tour n'a pas été gagnée, ne sera pas gagnée, tu comprends ça ? On va tous mourir, putain, et puis ce sera cool. Tu vas la fermer aussi. J'ai pas fait tout ce chemin pour te laisser m'envoyer balader comme ça, Franck. Il y a peut-être moyen qu'à force d'insister... T'as fait tout ce chemin pour me parler. C'est pour voir jusqu'où on est prêt à aller. Eh ben, ça me fait une putain de belle jambe. Bravo. T'es un plus gros tocard que moi. Maintenant, fous le camp d'ici. Tu vois ça, Ravik ? Il arrive à me faire chier autant que toi. Il nous compare un pote à lui. Ferme-la. Ouais. Ça veut pas dire que tu peux parler. Putain, Ravik. Arrête de trouver des excuses à ce traître. Qui nie ce qui s'est passé. Voilà. Bien joué, bien joué. Bon sang. Reviens. Dégage, gamin. Et en te cassant, prends la One avec toi. C'est fini pour moi. La One, on n'a plus rien à faire ici, allons-y. Walt s'est mis le courant avec cette clé pour la première fois depuis des années. Et je doute qu'il ait fait ça par simple bonté d'âme. Et t'en as rien à foutre. Franck, putain, mais reprends-toi. T'étais une légende. Le putain de commandant des traceurs nocturnes. Est-ce que tu t'en souviens au moins ? Je dis jamais ses phrases. Ce Franck-là est mort, j'ai la moitié. Il est mort avec les autres à la station télé. Pourquoi Walt remettrait le putain de courant ? Me demande pas, moi, j'en sais rien. Mais si tu cherches la base de données du GRE, tu dois trouver un ordinateur pour y accéder. Le truc, c'est que... je sais pas du tout où en trouver. Et ceux qui le savent... sont sans doute morts depuis longtemps. Mais... la bonne nouvelle, c'est qu'on sera probablement morts, nous aussi, assez rapidement. Santé. Santé, il y en a infini, là. Foutez le camp de mes quartiers. Putain d'ivrogne. T'entends ça ? Putain, il se passe quelque chose. Tu vérifies ? Je suis derrière toi. C'est impossible ! À toutes les unités, des renégats dans la boucle centrale. Je répète, des renégats sont dans le centre. Ils encerclent le fichier.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Terminé. Sortez de là, Mira. C'est la voix d'un chipmunk, là. Eh ben go, il se passe quoi, là, les gars? Oh, putain. Attends, je vais voir si je peux aller derrière. En fait, ils sont là. Oh, merde. Ok, c'est tu courir, hein. Mort. Mort. Là ici. Voilà, mort. On fouille. Mort. Oh pardon, excuse-moi, je t'ai mis 2-3 coups. Hop, se met ça c'est patates. Un gentil. Non, oh putain, mais c'est un gentil. Oh bah il a pris une patate, c'est bon. Oh, allez, oh. Là, ça, il est bon. Ok. Ah. Tiens, il a un arc, lui, peut-être qui va te le donner au sol. Non, c'est pas. Quoi? Lance-roquette, ça? Non. Ah non, si, regarde le bâtiment là-haut. Ils ont mis un canon sur un bâtiment voisin. Allez, abattez-le. Pardon? Un canon? Et on fait quoi, en fait? Un coup de plus et le petit Jack sera là, viens, derrière. Viens, viens, viens. Oh là, on a 1 minute 58 pour y aller. Non, viens. faut monter, là. Mais comment on monte? Il y a une tyrolienne. Là, il y a un escalier. Ah, je croyais que c'était pour re-rentrer dans le bazar, c'est ma faute. Ok, j'arrive. Oh putain, faut faire 2 fois R1, dis-le moi ça, hein. Bon. Parce que c'est terrible. Là, on peut remonter là. Ici, regarde Bichette. Ouais, c'est parti. C'est vrai. C'est vas-y. Et tu? J'y suis. J'ai commencé un combat acharné. Oh, bien joué ça! Oh putain, t'es venu nulle part! C'était tellement stylé! Voilà, bien... j'ai fait mon intro! Oh putain! Ok, j'éteins. Avec ma main, hein. Tu sais, c'est la mèche de Coyote et Bip Bip! Attends, on peut le garder ce canon, ça peut être utile. Viens, ah, lance-roquette, gros. D'où je le porte. Et ben voilà. Il y a plus de renégats au niveau inférieur. Quoi? C'est ça? Ok. Paravol. Où ça? Là, ici où je suis. Oh putain. Oh mais bâtard, il charge avec sa lance. Il est mort. Ouais, si ça va du coup. Hop, lui, Fufu, il tabasse de derrière. Attends, y'en a un autre qui est venu par derrière. Oh, j'ai fait tomber le masque, il est dégueulasse. Remettez le masque, monsieur. Soigne-toi, Fufu. Si jamais ça brille trop. Non mais c'est pas vrai. Où est le canon? Défendez le fisheye. Oh mais il est où? Oh putain c'est où, je regardais. Viens. Ok je vois. Il y a un truc ici. Hop. Allez Fufu, je m'envole. Vas-y, je te rejoins. Allez let's go. Bonsoir. Je voudrais appuyer sur X pour ça. Fufu, je suis sur son front. C'est pas ça, veut faire sauter le fisheye. Oh, mets des coups de pied. Attends, faut que je me soigne. Non, saute contre le mur, Fufu. Oh, c'est ridicule. J'en ai si cher. C'est bon. Ok. Tu vas rigoler? Non, t'es tout en bas. Non, y'en a un deuxième. Quoi? Quoi? Ça a bugué. Ça a bugué, frère. Vas-y, respawn. Non, en attente de réanimation, je peux rien faire, j'ai pas de barre ni rien. J'ai tapé un mur invisible, ça m'a fait tomber, je peux rien faire, gros. Fufu? Je suis en train de me back, il reste une minute. Je ne peux rien faire, gros. Je vais pas te laisser te suicider? Non, c'est un bug, en attente de réanimation. Ok, bah attends, je finis avec lui. Oui, vas-y, bah vas-y, ouais. Oh putain, la mèche. J'ai tapé un mur invisible, je suis tombé, mec, en attente direct de réa. T'as éteint la mèche? Oui. Ok.
Et tu peux me réanimer, Jean? Oui. Ah bah c'était totalement... Une minute, j'ai pas vu. Ça va, tranquille. Oh la vache. Ok. La question c'est surtout comment on atteint le haut de ce building de mort. Je me re-soigne. Regarde s'il n'y a pas un câble à droite ou à gauche. Hop, un zombie. Là j'ai des petits trucs. Oh là là, quel enfer. Alors je suis rassuré parce qu'en live il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont les mêmes problèmes de cascade. Ici. Tu l'as? Ouais. Oh, 40 putain, secondes. Saloto. Vas-y sans moi. Ouais, je fonce. J'ai localisé à peu près où c'était. Pour tout en bas. 30 secondes. Non, c'est faut revenir là où on a des têtes. Et... Vraiment le. C'est... Ouais, bref. Oh non, ils sont deux. Ils sont trois. Tu peux pas éteindre si tu restes appuyé sur. Non, parce qu'il me tape, il m'empêche de. Ah ouais, mais là je peux rien faire. Désolé. Désolé, c'est. Ah, c'est l'enfer. Oh les bobos, c'est moi, c'est. Non! J'avais enlevé! C'est le shit! C'est fini! Bah, on est mort? Ouais, je pense que c'est mission échouée. Ouais, dommage. Non, mais tu sais que c'est quoi le pire? C'est que j'ai eu l'animation où ça me l'a enlevé, où j'ai tiré des mains, il m'a tapé et ça l'a remis. Oh non, faut tout refaire? Non, non, troisième canon. Là. Ok. Ok, ok, ok. Allez. Bon, ça va, il se passe à l'eau avec les checkpoints. Wouhou! Allez! Bon, bah, ça va. Tu sais, c'est pas des bâtards, ils ont pas mis genre. Checkpoint il y a 20 ans, tu vois, c'est. Ça va. Ils sont où? Un peu partout. Mort. Vas-y, vas-y, couvre, je t'in. Vas-y. Pas touché, oh. Ben voilà. Hop, tiens, mets des petits coups de pied comme ça. Tiens, voilà, tu mets bien. Voilà, ça dégage. Oh, ça, non, ça s'arrêtera jamais. Hein. Ils sont à l'intérieur du échec. Ils t'en prennent. Pardon. Tiens, cours sur le mur. Ils ont bloqué la porte. Je peux pas entrer. Oh merde. 40 secondes, gros. J'arrive. Saute. Déploie, joystick arrière. Paravoile. Oh, j'ai plus d'endurance. Ouais, moi aussi je m'étais fait piéger. Que j'ai sprint. C'est bon, je suis rentré. Let's go. C'est bon. Allez. On est d'accord. Allez. Ça va être un bordel hein, quand ça va s'ouvrir. Hein. 10 secondes. Aidez la one. 9 secondes. Aidez la one. Alors? Ok, à 3. 1, 2. Lâche-le! Y'en a un sale qui bouge! Laisse-le! Aiden, attends! Bonjour! Ça voit ça! Tout le monde va bien? Vérifiez qui a besoin d'aide et faites venir des médecins. Ah mais c'est vrai que le pacificateur gentil, le frère, il est mort. Gars dans le coin. Oui, oui comment il est mort dans l'indifférence la plus totale. Je te jure. Allez, Franck. Tu vas bien? Je t'ai vu te battre. Comment tu t'appelles? Aiden. Sans toi, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Allez les gars, fouillez la zone. Monsieur, j'ai une question. On cherche une base de données du GRE. La plupart des équipements GRE sont HS depuis des années. Pourquoi avez-vous besoin de cette base de données? Avec ta connaissance de la ville, tu connais parfaitement les lieux du GRE. Aiden et moi, on a besoin de cette base de données. Tu vas nous aider? Lawan, c'est ton ami? Aiden? On peut dire ça. J'ai jamais entendu parler de toi, Aiden. Tu viens d'où? Et on va s'arrêter là! N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, on se retrouve! Très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde, ciao ciao! Ciao!